Bienvenue dans la suite de cette vidéo qui concerne la planète Saglissamax. Donc on va continuer avec les résultats de la vidéo précédente, mais avant ça je vais faire quelques petites précisions. Et en fait quelque chose que j'ai oublié de mentionner, c'est le fait que Saglissamax ne tourne pas, elle n'est pas en rotation sur elle-même. Je vais l'écrire ici, pas de rotation. Donc dans la vidéo précédente j'ai parlé de trajectoire qui suit l'équateur, donc c'est pas vraiment le terme approprié puisqu'on n'a pas de rotation ici, c'est plutôt une trajectoire qui suit l'un des plus grands cercles qui fait le tour de cette sphère parfaite. Alors on va maintenant s'intéresser à un deuxième objet qui se trouve à la surface de sa C'est en fait une banane congelée. Donc là j'ai redessiné la surface de la planète sa glissamax. Je rappelle que cette surface est composée d'un nouvel élément chimique qui s'appelle le Glysmaxium pour lequel il n'y a absolument aucun frottement. Donc à la surface de cette planète, j'ai cette fois un glaçon, voilà le glaçon, avec à l'intérieur une banane congelée. Voilà à peu près ce que je peux faire de mieux pour dessiner une banane. Ok, donc on a ce, ce deuxième bloc de glace, on fait encore une expérience de pensée, avec à l'intérieur une banane congelée. Et donc, à la différence du bloc avec la chaussette congelée, ce bloc avec la banane congelée n'a absolument aucune vitesse horizontale. Il est parfaitement immobile par rapport à la surface de cette planète, sa Et donc la question est la suivante, quelles sont les forces qui s'appliquent sur ce bloc Alors, puisque cet objet a une masse, on a comme tout à l'heure la force d'attraction gravitationnelle exercée par la planète sur ce bloc, qui est toujours orientée vers le centre de la planète, donc je la représente ici. Comme ça, voilà, je vais l'appeler de la même façon FG. Et puisque ce bloc de glace ne s'enfonce pas, n'est pas accéléré vers le centre de la planète, c'est qu'il y a une force qui compense le poids, c'est la réaction normale de cette surface que je représente ici, voilà, nommée R indice N. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux forces, la force d'attraction gravitationnelle et la réaction normale du support Puisque l'objet est immobile, et eh bien en se référant à la première loi de Newton, on peut dire que ces deux forces qui s'exercent sur la banane, sur le bloc de glace avec la banane, se compensent, c'est-à-dire que la résultante, donc la somme vectorielle de Fg plus la réaction normale de la surface, Rn, et eh bien la somme de ces deux vecteurs est égale au vecteur nul, donc en d'autres termes, la résultante des forces est nulle. Mais si on revient au cas de la chaussette cette fois congelée dans son bloc ici, la question est est-ce que la force d'attraction gravitationnelle de la planète Saglissamax Max compense exactement la réaction normale de la surface. Alors il faut bien se rappeler que à la différence de la banane, ce bloc avec la chaussette se déplace avec une vitesse constante de 1 km/h. Donc on peut faire le raisonnement en fait si la force d'attraction gravitationnelle de la planète sur la chaussette était exactement compensée par la réaction normale du support c'est-à-dire si leur somme vectorielle faisait zéro alors qu'est-ce qu'on aurait comme situation eh bien on aurait une résultante nulle qui s'applique sur ce bloc de glace donc pour être bien clair je vais écrire si si la force d'attraction gravitationnelle sur cette chaussette plus la réaction normale si la somme de ces deux vecteurs est nulle, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, d'après la première loi de Newton, que cet objet va continuer dans son mouvement rectiligne et uniforme. Et donc le fait de continuer dans ce mouvement rectiligne uniforme, ben, ce bloc avec sa chaussette finirait par quitter la planète. Par exemple, si la trajectoire passait par ici, bon je sais que ce n'est pas le cas, mais je vais le faire pour l'exemple, si la trajectoire passait par ce point, eh ben, le bloc continuerait dans son mouvement rectiligne uniforme et donc il quitterait la planète. Et donc, donc, si je corrige la coquille, et donc on sait pertinemment d'après la première vidéo que la trajectoire est en fait circulaire et donc que ce bloc de glace se déplace sur une orbite circulaire à la surface de cette planète. Et donc si on regarde cette trajectoire circulaire vue de dessus, bah ça nous donne quelque chose comme ça. Et donc tout ça, ça veut dire que notre bloc de glace en fait subit une accélération centripète dirigée vers le centre de cette trajectoire. Et donc pour qu'il puisse exister cette accélération centripète, il faut que la résultante des forces qui s'exercent sur ce bloc ne soit pas nulle. Donc cette situation est fausse, on vient de faire un raisonnement par l'absurde, puisque on sait que cet objet a une trajectoire circulaire autour de la planète, ça glisse à max, la force de gravitation ne peut pas se compenser avec la réaction normale du support, puisque dans ce cas-là, sa trajectoire serait rectiligne uniforme et cet objet s'éloignerait de la planète. Et donc, puisque cet objet reste en rotation autour de la planète, on peut écrire cette inégalité sur la force de gravitation, ou plutôt sur la norme du vecteur d'attraction gravitationnelle. On sait que cette norme est plus grande que la réaction normale du support, ou plutôt sa norme. Donc, il y a une résultante des forces non nulles, orientées vers l'intérieur de la trajectoire, qui explique le mouvement de ce bloc. Donc la norme, l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle est plus grande que la norme de la réaction normale, ce qui explique cette trajectoire circulaire et donc cette accélération centripète. Enfin, une autre question intéressante qu'on pourra éventuellement adresser dans une autre vidéo, c'est qu'est-ce qui se passerait pour le rapport de ces deux forces, la réaction normale et l'attraction gravitationnelle, dans le cas où le bloc accélérerait, c'est-à-dire qu'il aurait une vitesse de plus en plus grande. Mais ça, je te laisse réfléchir là-dessus, on verra peut-être ça plus loin.